pleinement participatif. Vous remettez dans l'urne, ce sera tiré au sort. C'est le sac surprise à gagner. Minimum 4. Ah ouais, minimum. Vous avez dit c'est... Il y a une méga drive. C'est trop bon, ça fait des années que j'ai pas joué à ça. Comment ça marche? J'ai foiré ma scolarité entière comme ça, ça vaut le coup comme c'est assez intéressant. Histoire de lumière. Voilà, t'es super. Alors on va en prendre un autre. Attends, cette manière de découper, après toi tu vas découper, d'accord? Oui, parce que faut découper dans les traits, autrement ça va pas marcher, tu comprends? Manière de découper, toi tu vas faire des décorations. Voilà. Tu vas mettre des gommettes. C'est une pièce centrale qu'il faut d'abord commencer en premier. Suivez-moi, messieurs dames, vous allez voir, c'est très intéressant. De toute façon, dehors il pleut, c'est pas intéressant. Allez, vous allez voir, c'est sympa. Donc, pour commencer, cette pièce quand même une pièce centrale de la médiathèque, puisque à la base c'était une salle de danse, donc qui a été quand même au début des années 70, construite au début des années 70, qui a servi donc au Crazy Horse pour faire toutes les chorégraphies qu'on connaît aujourd'hui. Donc, allez-y, quand on continue, allons. Les objets qu'on ne sait pas où mettre. Même. Donc par exemple des baladeurs des années 80, là si on a un modèle qui est quand même bien début 70, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, il y a quand même un peu ce... Oui. On est dans cette espèce de cachet de fumée un peu de hein. Version collège. On a une très belle collection de regards. Ça ne vous donne pas envie, là la couverture est magnifique. Donc nous avons les 100 chefs-d'œuvre. Alors, il y a pas, le problème, c'est qu'il n'y a pas énormément d'images. Elles sont toutes petites et il y a surtout beaucoup de textes. Donc je mets un bémol. Ah si, pas sur toutes les pages. Je mets un bémol, Madame Ranchin, je mets un bémol là. Moi, j'aime quand il y a beaucoup plus d'images que ça. Là, il y a trop de textes hein, pour une médiathèque. C'est terrible. Ah, je me pose. Donc là, on a des gens qui sont bien tranquilles et qu'on va embêter parce qu'on n'a rien à leur dire et eux non plus. Bonjour, monsieur. Voilà, donc qu'est-ce que vous faites? Je suis en train d'expliquer le fonctionnement du site internet à ces jeunes. Et c'est bien? Ouais, ça te plaît? C'est bien. Ah, voilà. Ils découvrent qu'on peut s'abonner à une recherche et être averti de la mise à disposition d'un document. Donc, vous parlez un petit peu trop. Est-ce que vous avez... Alors, qu'est-ce que c'est que cet atelier? Qu'est-ce que c'est justement? Tu sais que c'est avec ça que j'ai foiré ma troisième? Je lance l'info comme ça. Hein. Donc, c'est un atelier jeu vidéo, donc Minecraft. Tout à fait. Donc, où on construit la médiathèque de nos rêves, en fait. Alors, quelle est la médiathèque de vos rêves? Ça peut être intéressant, ça. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Tiens, toi par exemple, dis-moi, qu'est-ce qui te plaît? Alors, on va y aller, on va faire le tour. Comment elle est ta médiathèque de rêve? Qu'est-ce que tu as rajouté dedans? Je sais pas vraiment, on pourrait rajouter des meubles. Des meubles. Des livres. Tu fais partie des gens qui lisent. Une orthothèque. C'est déjà un endroit y a où on peut apprécier des œuvres d'art et les emprunter. Oui. Ah. Donc déjà, oui. Voilà, moi je ne le savais pas. Donc déjà, il y a quand même... Vous pouvez avoir des tableaux de maître pour rien du tout. Ouais, quand même. Mais c'est... Alors, comment ça se passe? Il faut avoir une déco qui va avec. Mais pourquoi? Moi je trouve ça... Il faut repeindre son salon à chaque fois, ouais, si vous voulez mettre l'œuvre d'art. Des gens qui repeignent leur mur à chaque fois. Exactement. D'accord. Complètement.
Il faut se donner les moyens. Mirama, c'est aussi des belles rencontres. Je suis très émue. Il se passe un truc. Ah, mais je suis pas du tout. Eh ben, faut venir vivre à Mirama. Ouais, hein, sans quoi, c'est pas possible. Regardez comme ces gens sont épanouis. Ce sont des gens de Mirama. Si vous partez là, c'est possible. Une pièce. Alors, c'est une pièce et on arrive très vite. Et puis après, il y a la part du gâteau avec le jeu de mots, la part du gâteau. Et on aimerait bien construire vraiment donc un gâteau ensemble, hein, vraiment une pièce montée. Pour l'instant, on n'arrive pas encore, le collectif, il va venir. Hein. Les enfants peuvent partir avec leur dessin. Ouais. Alors l'idée, c'est de le laisser, de l'offrir à la collectivité et nous laisser le morceau jusqu'à tout à l'heure. Donc là, on va refaire le... Ça fait beaucoup de travail, je vais être obligé de refaire une tête, j'ai pas envie, enfin bon, parce que je suis un peu feignant des fois, donc je suis passé faire un, je vais le cuire avec une tête, une oreille cassée, quoi. Donc j'ai fait mon lapin avec une oreille cassée. Puis je me dis, ouais, mais c'est nul, parce qu'il est nul ce lapin, quoi. Du coup, j'en ai fait un deuxième avec une oreille cassée pour qu'il ait un... Ici. Ils ont frotté par terre. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les médiathèques, un DVD neuf, il fait 5 frais et après il le jette. C'est vrai? Ah ouais. Nous, grâce à la machine, le CD il fonctionne 10 fois, 15 fois. T'as plus que ça? Ah oui, parce que comment dire. Il y avait plus de place. Parce que la médiathèque 10, elle a 50 ans. Et elle est ric-rac. Miramas, quand ils l'avaient faite, ils avaient prévu grand. Donc là, je m'arrête sur ce truc-là parce que, comment dire, je suis quand même appelée par ce titre, donc sur cet atelier qui s'appelle « J'emprunte un bibliothécaire ». Voilà. Alors,
Bon, ben là, visiblement, c'est un emprunt sur le moment. C'est un emprunt sur le moment, d'accord. C'est-à-dire, comment vous avez prévu quelque chose, ou je dois vous faire à manger, ou comment? Ah oui, si, oui, c'est possible. De me faire à manger, des massages aussi, alors, masser les pieds. Ah, alors est-ce qu'on peut choisir? Ou c'est vous aujourd'hui? Enfin, non, attention, en toute amitié, mais j'avais remarqué quelqu'un d'autre, moi, dans la médiathèque. Ah oui, vous pouvez choisir. Ah voilà, on peut choisir, on peut choisir. On tourne à chaque heure, on tourne. Ah, on tourne. Oui, on tourne. Je sais que les ateliers, c'est une heure.